Aujourd'hui, on s'est lancé un défi avec Bilal. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une montagne de Lego et lui, là, il est dans une montagne de carton. Regardez-moi ça. Bref, aujourd'hui, le concept, il est ultra simple. Là, il nous reste quelques heures pour construire une maison et dormir dedans. On va voir qui de moi ou Bilal va faire la meilleure construction. Bon, allez, let's go, c'est parti, les gars. Moi, j'ai opté pour une petite stratégie. Je vais me faire un petit périmètre là tout autour de moi. Je vais me faire une bonne petite base parce que franchement, ça va, les cartons, c'est solide. Mais par contre, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir les Lego. Mais regardez tout ce qu'il a. Ah, mec, moi, aujourd'hui, je vais bien dormir. Je vais me faire une maison. Non, qu'est-ce que je dis? Une villa, mec, avec plusieurs étages. T'en as déjà une de villa, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, le défi, c'est de dormir dans notre construction. Mais vas-y, mais moi, je fais comment là s'il pleut? Ça y est, c'est foutu. C'est pas mon problème. Ah ouais, mais t'as un tricheur. Bon, vas-y, let's go, les gars, c'est parti. Oh là, les gars, regardez tout ce que j'ai là. En vrai, je vais faire un truc, ça va être plus grand que la maison qui est là. Faut que je fasse un méchant périmètre. Je pense jusque là-bas, ici et ici. Une base comme ça. Bon là les gars, moi j'ai déjà emménagé dans ma petite maison. J'ai pris une chaise, j'ai fait une petite prise là. J'ai mis mon téléphone à charger. Pour le moment je suis bien, donc je continue. Hein. Vous avez bien vu, ça a commencé à monter petit à petit. Et regardez Antoine. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a un truc qu'il a pas dit à la caméra. Il m'a totalement recopié. Moi aussi, j'ai fait une petite entrée pour la prise du CC. Sale menteur! Je t'ai pas recopié! T'es un recopieur! C'est toi le recopieur! Mais c'est pas grave! Arrête, parce... sinon on va se faire la guerre! Avec ta maison en carton! Regardez ma maison, elle est pas encore finie. Mais là, on a une petite porte d'entrée. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais faire une maison sur deux étages. Donc là, je suis en train de faire un mur et je vais mettre des planches en haut pour pouvoir faire mon deuxième étage. Franchement, les gars, j'ai bien avancé. Venez avec moi, regardez la petite porte. Et regardez par là, par là! Petite fenêtre à l'intérieur. J'ai déjà tout conçu. Je sais que là, il va y avoir les toilettes. Moi, je vais dormir là. On va faire un petit couloir ici. Hop, hop, hop. Ça va être incroyable. Mais regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui nous fait le tonnage là? Qu'est-ce que tu présentes là? Mais c'est tout petit, c'est minuscule. Je suis obligé de me baisser, moi. Tu sais pas ce que j'ai prévu, mec. Regarde. Ça, c'est mon plancher pour mon deuxième étage. Mais t'es un malade. Ça va s'effondrer. Tu fais n'importe quoi. Mais si, regarde. Hop là. Ouais. Regarde. T'es sûr que ça va tenir? Bah ouais, là, va y avoir un deuxième étage, mec. En plus, venez voir. Bon, c'est pas totalement fini, mais regardez. J'ai fait un petit lavabo, hop là, juste ici, comme ça. On peut se laver les mains, juste comme ça. Hop, ça régale. Regardez-moi ça, les gars. Il est pas incroyable, mon toit. Oh là 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 là. Je me sens comme chez moi. Et là, regardez, les petites finitions. Je suis en train de terminer. Regardez-moi comment Antoine Lag, il me regarde. Hé, Antoine Lag, qu'est-ce qui se passe? T'es jaloux? Mais mec, regarde. Moi, je suis en haut de ma maison, mec. Wow. Carrément, je peux atteindre la fenêtre de la villa. Mais il est malade, ce mec. Mon gars, c'est trop solide. Regarde-moi ça. Mais tu fais trop le malin. J'ai peur que ça chute, tout ça. Ça y est, les amis. J'ai enfin fini ma maison. Vous êtes prêts pour la touche finale? Et voilà, ça m'a pris des heures, mais c'est terminé. Ça tient pas, attention, ça va tomber. Si, ça tient, c'est solide. Tu fais trop le malin. Je peux sauter. Mais non, arrête, arrête, arrête. Bon, vas-y, c'est quoi la suite, Tom Lag, là? On fait quoi? Là, la nuit, elle va bientôt tomber et nos maisons, elles sont pas du tout équipées. Ce que je te propose, c'est qu'on lance le chronomètre. On a 5 minutes pour prendre tout ce qu'on a besoin dans la villa et pas une minute de plus. Vas-y, 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 let's go. Ok, mec, on a 5 minutes. C'est parti. Attends, vas-y, vas-y. Oh, regardez ce que je vois. Déjà, je vais prendre le matelas, hop là, il est pour moi. Je le garde là, allez vas-y, on monte. Bilal, il est trop bête, il a direct foncé dans la maison. Alors que le plus important pour dormir, c'est un lit. Et regardez ce que j'ai ici. Un giga matelas gonflable. Allez hop, ça je le mets à l'étage de la maison. Faut pas que je casse tout. Ok. Let's go, mission réussie. Qu'est-ce que je vais prendre? Mon téléphone, c'est trop important. Il y a mon ordi pour mater quelques petits films. Il me faut une prise avec mon chargeur. Allez, let's go les gars, qu'est-ce que je vais prendre de plus? J'ai pensé à un autre truc ultra important. Nos maisons, elles sont pas très bien fermées et la nuit, il y a plein de moustiques. Alors venez avec moi. Je prends les deux moustiquaires, comme ça Bilal, il aura plein de moustiques et pas moi. On va dévaliser les placards. Hop là, qu'est-ce que je vais prendre? Bonbons, chips, gâteaux, de la boisson. Hop là. Oh mais Bilal, là tu dévalises tout le frigo. Bah ouais mec, attends, ouais, j'ai passé tout. Mais non, voleur, de toute façon il y en a plein des bonbons. Oh il m'a pris mes bonbons préférés. C'est pas grave, des Tagada, des Lucci. Je crois qu'on est bon pour la nuit là. Bon là les gars, j'ai pensé à un truc pour pas m'ennuyer la nuit. C'est de prendre mon ordinateur les gars. Regardez, hop là, je prends mon ordinateur. Oh là 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 là. Hop là, tac. Oh ce soir je vais dormir à la belle étoile, j'espère qu'il va pas pleuvoir hein. Ce soir on est bien les gars. Hop là. Oh toi de lag, il reste combien de temps là? Attends mais... Wow, mais tu fais quoi? C'est quoi tout ça? Mais t'es malade ou quoi? Bah ouais, moi j'ai pas envie de m'ennuyer. On va jouer à Stumble Guys toute la nuit. Mais on va passer une nuit frère. T'inquiète. T'es sérieux? Ouais, je vais tout faire tout. Il reste combien de temps là? Oh le truc de moustique, c'est non, 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 il en a pris non, deux. Non, c'est pas moi ça. Hop là, ce tricheur il en a pris deux. Moi aussi il m'en faut un. Je vous mens pas les gars, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me manque juste la nourriture. Alors venez avec moi. Je pense que Bilal il a dévalisé les tiroirs. On va voir ce qu'il reste. Pète sa mère, il reste des céréales. Incroyable. Des chips, ça c'est parfait. Des marshmallows, oh ça j'adore.
file à temps, mec. J'ai tout mis là. Ouais. Laisse-moi 2 minutes, j'aménage tout et je te montre. Attends, te le spoil pas. On se retrouve dans 2 minutes. C'est bon, Bilal, j'ai fini. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je peux voir à quoi ça ressemble chez toi? Oh, mais c'est claqué, mec. On dirait une prison. T'es fou, je suis bien. Attends, mais ça, tu me l'as volé, ça? T'es fou, t'en as un, toi aussi? Vas-y, je suis en train de regarder une série, vas-y, va-t'en, là. Ah, c'est explosé chez lui. Attends, viens voir chez moi. Sérieux? Oh, vas-y, j'espère que je me lève pour quelque chose, là. Oh, mec, c'est incroyable. Alors, je te présente. Là, on a une petite entrée couloir. Allez, viens. Comme ça. Et là, attention, est-ce que t'es prêt pour voir mon salon? C'est parti, mec, regarde comment c'est incroyable. Mais t'es malade, toi, vers quoi avec le PC? Bah mec, on va jouer toute la nuit, mec. Regarde l'étage en haut, tu vas être choqué. Il y a une petite échelle, comme ça. Et là, attends. Bienvenue dans ma chambre. Ah, mais tu t'es fait un vrai lit et tout? Bah oui, mec, un petit... Oh là là, t'es malade, toi, Nlak, franchement, tout ça pour toi, genre. Oh, ma maison, elle est large, mieux que ta prison, frère. Mais frère, on arrive même pas à tenir debout dans ta maison. Moi, j'y vais, là, moi, je rentre chez moi. Comment t'es trop jaloux? Il est minuit et là je vais passer au meilleur. Regardez ce que j'ai pris tout à l'heure. J'ai pris des chamallows et on va tout de suite se faire un petit chamallow au feu de bois. Ça va être incroyable. Oh là là les gars, regardez-moi ça. Il y a un feu de bois tout préparé ici. Bilal, tu fais quoi? J'allais partir dormir là. Mais regarde-moi ça. Il y a pas une petite place pour moi là? Tu sais que j'en ai jamais fait ça. Sérieux? Ouais. J'ai jamais fait ça de ta vie. Tu t'as raté. C'est ton enfance. C'est comme ça et ensuite on brûle. Ouais, son bâton il brûle. Oh, incroyable, comment c'est stylé. Vas-y maintenant, mets-le dans la bouche. Ah ouais, j'étais malade, jure. Ça t'a brûlé ou pas? Mais il est malade. Ah, allez, bon, j'arrive. Venez voir, il y a des bêtes dans ma baraque. Franchement, je sais pas comment je vais passer la nuit comme ça, c'est pas possible. Je peux pas dormir comme ça. Mais frère, les gars, on est d'accord. Sa maison, on dirait une prison, wesh. Y'a rien. Frère, il y a des bêtes de partout. Mais ton matelas, il est pas confortable. Oh, tu vas passer une salle. Wesh, c'est quoi ça? Je dors pas ici, je peux pas dormir ici, c'est mort. Mais oui, mais toi aussi t'as mis la moustiquaire ici. Tu voulais que je la mette où? Vas-y, moi je vais aller chez toi avec moi. Tu veux dormir chez moi? Attends, viens. Mais y a pas de bête chez toi? Les gars, on est parti pour une vidéo Stumble Guys. On va débloquer le nouveau skin. Bon, on se fait une petite roue là ou pas? Mais mec, moi je vais jouer à Stumble Guys toute la nuit. Regarde, c'est incroyable ça ou pas? Le skin spécial. Le skin spécial. Y'a pas de skin spécial. Le skin spécial. Le vas-y, c'est tout le temps ça. On a que des gemmes. Moi, je vais dans mon petit salon. Hop, allez. Bilal, tu veux dormir avec moi? Non, mais y'a pas de place chez mais toi. Mais si, viens, frère. Oh, mais tu t'es mis un tapis. Oh, franchement, on est bien chez toi. Je crois que je vais dormir ici. Hein. Oh, les frères, pour ceux qui connaissent, on dirait on est focus. C'est ce que ça veut dire, Fogsta. Ça veut dire quoi? On est sur le toit. Ok, ok. On est Fogsta. Non mais frère, en vrai tu peux pas dormir ici. Imagine, ça s'écroule. Bah vas-y, mais on fait comment alors? Moi j'ai envie de dormir ici. Ok, c'est quoi? On fait un Shifumi. Ouais. Et celui qui perd, il dort dans la maison en carton toute pourrie. T'es prêt? Shifumi. En une manche, hein. Vas-y. Shifumi. Ah, oh, je suis comme un dingue, les gars. Vas-y, toi, Mike, tu peux pas me donner une dernière chance, là? Je peux pas dormir ici, regarde, y'a trop de bêtes et tout. Bah non, c'est comme ça, mec. Par contre, je peux te donner autre chose. Vas-y, sérieux? Tiens. Tu me donnes... T'as failli me tuer avec ta pastèque, là. Mais les gars, il abuse, vas-y, bah c'est pas grave, je dormirai avec elle, elle va me tenir compagnie. Bon, allez, moi, les gars, je vous dis à demain. Ciao. Bon les gars, j'ai pas envie de dormir, donc je pense que je vais faire une petite session de Stumble Guys. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ça? Je vais jouer un peu et dès que je serai fatigué, je pense que j'irai dormir. Bon les gars, il est 2h30, j'arrive toujours pas à dormir. Oh, c'est infernal. Depuis tout à l'heure, toi, là, il fait du bruit, il joue à Stumble Guys. Et en plus de ça, il y a plein de bêtes. Franchement, je supporte plus. Je vais retourner dans la maison tout de suite, là, j'en peux plus. Les gars, je prends mes affaires. Hop là, je retourne à la maison, mais chut, faut pas que toi, là, m'entende. Faut pas qu'il sache que je suis en train de tricher, ok? C'est un grand malade, il joue encore à Stumble Guys, il est 2h30 du matin. Moi je m'en fous, je retourne dans mon lit, dans la vraie maison pour dormir, ok? Let's go. Les gars, je viens de finir ma petite session de Stumble Guys. Je pense qu'il est temps d'aller dormir. Hop. Ah, ça pille. Ah, j'ai oublié que j'étais dans une petite cabane. Bon allez, je vais monter. Oh là, ça craque. Oh là là, ça craque. Il est temps d'aller dormir. Je vais me mettre dans mon matelas. Oh, comment ça craque. Oh, j'ai trop peur. Bon, les amis, je compte sur vous pour liker, pour vous abonner. On se retrouve quand je me réveille. Allez, à demain. Oh, les gars, c'est un grand malade. Il croyait vraiment que j'allais passer toute la nuit là-bas. Mais j'aurais pas dormi de la nuit. Il est tellement fou, ce Stone Light. Moi, je vais aller me coucher. Et de toute manière, on se retrouve demain. Il y a mon petit lit qui m'attend. Oh là là les gars, je viens de me réveiller. Regardez ce qui vient de se passer. Ça a totalement craqué. Regardez-moi ça. Il y a ma cabane qui est en train de s'écrouler. Mais regardez, wesh. C'est n'importe quoi. Il y a tous les murs qui vont péter. En vrai, je peux pas dormir en haut. Je suis obligé de dormir ici. Je vais le mettre là, comme ça. C'est pas très confortable, hein.
Oh non, c'est mort. Je sors pas ici. Je dors en haut. Oh les gars, c'est chaud. Je vous promets, c'est chaud. Là, la cabane, elle est en train de craquer de partout. Ça se trouve, ça va s'écrouler pendant la nuit. Bref, je vais essayer de dormir comme je peux. On se retrouve demain. Les amis, je viens de me réveiller. J'ai trop bien dormi. Oh là 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 là. Et en vrai, ma cabane, elle a résisté. Hein, regardez. C'est l'heure du petit déjeuner et je viens de me rendre compte qu'il y a un gros problème. J'ai pris des céréales et des cookies. Mais j'ai pas pris de lait. Ça va être sec un peu, hein. De toute façon, les gars, ça peut pas être pire que Bilal. Lui, il a pris des bonbons ou tout ça. Il a même pas pensé au petit déjeuner. Oh, incroyable. Bilal, t'es réveillé? Il dort encore. Je sais pas comment il fait. Tout le temps, il dort, lui. Oh, vous savez quoi, les gars? S'il dort encore, je vais essayer de lui faire une blague. Je vais prendre son matelas. Je vais le mettre dans la piscine. Allez, c'est parti. Oh, Bilal, il va rien comprendre. Regardez-moi la piscine. Oh, oh l'eau, elle est gelée. Quoi? Attendez, regardez. Il est pas là, Bilal. Wesh, il est passé où? Peut-être il est aux toilettes, hein. En vrai, attendez, je vais aller voir. Là, il y a les chambres, on va voir s'il y a Bilal. Oh là là, mais c'est quoi ça? Sors de là, toi! Tu fais quoi, espèce de gros tricheur? Vas-y, laisse-moi dormir, là, vas-y, sors de là, là! Mais qu'est-ce, mais en plus, tu me lances un coussin! Mais t'es malade, toi! Mec, t'as dormi dans le grand lit XXL au lieu de dormir dans ta cabane, frère! Non, c'est pas ça! T'es un tricheur! Regardez comment il triche, Bilal! Quoi? Éteins la caméra, je t'explique après, frère! Non, non, t'explique maintenant! On veut savoir! Et un petit passage et tout, je suis passé par lui! Il est encore en train de réveiller, Hugo, il est malade, lui! Oh, les gars, Bilal, il veut pas se réveiller! Regardez, c'est moi, je vais le réveiller et ça va pas être très agréable. Bon les amis, en vrai de vrai, nos maisons elles sont plutôt sympas. Regarde-moi ça. Et Bilal, regarde. Comme d'habitude, t'es un petit t-shirt. Arrête, voilà. c'est bon. Bref, si ça vous a plu, je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner. C'était Toine Lag et Bilal. Ciao.